Salut, c'est Wendis. Et coucou les coupins, c'est Lorena 8. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la suite de... BioShock. Donc, qu'est-ce qu'on avait fait dans la dernière session ? Remastered, bien ah, sûr. On précise toujours. Enfin, on le précisera pas à chaque fois. On s'en fout que ce soit Remastered. Je peux pas le taper. Si, il met de l'argent. D'accord. Parce que ça, c'est un ennemi, mais ça, c'est un corps... Ah oui, ça c'est du décor. Ça, c'est du décor. Donc, j'ai pas le droit de le taper, même si je suis accroupi. Ça ne marche pas. Ouais, on ne... On n'a pas le droit. Alors, mal fini, en tout cas. Un très très mal fini. On ne tape pas les morts. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on avait fait dans la dernière session, madame ? Eh ben... T'as cassé la vie de ta chambre. J'aime taper les choses. Oui, je vois ça. Est-ce qu'on avait visité des trucs ici ? Ça, on avait visité. Eh bien, dans la dernière session. Bah non, monsieur, là, il y a... Vas-y. Nous avions débarqué donc au pavillon médical, car nous devons nous rendre au trésor de Neptune afin de voir si on peut trouver la famille de Atlas, donc celui qui nous aide par cassettophone. Par Tokiwoki. Bah, c'est un Toki, ouais. Par Toki. Donc, nous voilà au pavillon médical, et on va devoir se confronter à... comment il s'appelle ? Steinman, c'est ça ? Steinman. Le docteur Steinman, souvenez-vous. Le docteur Steinman. Donc, un... Comment dire ? On l'appelle Narcisse, dans le milieu. C'est un adepte de la transformation grâce à la dent. Et pas que. Donc chirurgie plastique, esthétique, en fait il a transformé les gens en monstres. Et il ne voit que par le beau. Voilà. C'est ça. Les disgracieux n'ont pas le droit de vivre. Par les camps, ils m'ont demandé de mener des expériences génétiques. Et souvenez-vous, on est sur la version remastered, parce que la version classique, on ne sait pas pourquoi il y a des bugs. Oui, on me rappelle que la version classique. Et c'est un bug connu, mais qui n'a jamais été. Voilà, ils s'en foutent. Merci. Ce qui m'intéresse. Ah bah vous n'avez pas de sous-titres, bon, on s'en fout. Donc on poursuit notre investigation dans le pavillon médical. Après avoir massacré tant d'innocents, on aurait pu penser que les nazis... On a récupéré un deuxième plasmide. C'est ça, le faut plasmide... Pas l'oublier. Après le plasmide électrique, nous avons le plasmide... Le plasmide, oui. Le plasmide, incinération. Dont l'effet est magnifique. Et normalement, on récupère un troisième. Donc on a commencé à faire quelques piratages, voilà, on se fight-o. Et puis voilà, ma foi, on en est là. Donc on est obligé de se confronter au docteur Steinman pour qu'il nous donne l'accès au trésor de Neptune. C'est ça. Un petit piratage. Un petit piratage. Pour commencer. Un petit piratage qui est très rapide. Ouais, c'est les petits. Les petits, ils sont toujours un peu casse-bonbons. Super, magnifique bouclette. Nice. Parfait. Trousse de soins, seringue. Ah, et bah de l'argent. Commence à être un peu riche, ça fait plaisir. On va avoir les effets de cascade. On va avoir besoin d'argent de toute façon. Oui. Ah. On ne connaît pas lui. Si, on l'avait vu la dernière fois. Ah, je m'en rappelle plus. Les recherches sur le plasmide de télékinésie avancent bien. Levage d'objets à distance positive. Il nous tease. Déplacement d'objets dans l'espace. Il nous tease notre plasmide. Il est lent. Il nous tease notre plasmide, oh. Et lancer des objets rapides. Le problème ne vient pas du plasmide, mais du temps de réaction. Souchong a une idée pour un nouveau plasmide. Alain Souchong ? Excusez-moi. Alors Souchong, on le verra souvent parler de, en fait, des plasmides parce que c'est le professionnel des plasmides. Oui, voilà, c'est celui qui crée, qui a l'air de créer les plasmides. Non. Et donc. Voici notre troisième plasmide. Donc on n'a plus d'emplacement. Donc il va falloir qu'on fasse un choix. Ah, donc, ben pour oui. Le moment, on va enlever incinération. Lancez des objets sur vos ennemis. Attrapez leurs grenades au vol pour les leur renvoyer.
donc le plasmide télékinésie. Donc, où tu mets ta main comme ça. Ouais. Et donc, en fait, ça sert à faire. Boing. Par exemple, là, vous voyez, il y a cette, ce lance-balle, et vous pouvez faire. Et. Pas mon plasmide préféré. Ouais, mais c'est un de ceux qu'on va le plus utiliser. Parce que c'en est un qui est en fait très. Tu peux les changer à volonté de toute façon. Alors il faudra aller il faut retrouver à une station spéciale pour modifier le placement. Donc non. Donc là t'as gardé quoi? T'as gardé incinération et non. J'ai gardé arc électrique parce que c'est un de ceux qu'on. Oui, avec le va combo. Le plus utiliser, avec le combo aussi. Arc électrique plus c'est ça. Clé. Et tu vois, je peux aussi récupérer les cadavres. Bon. Et aussi la télékinésie, c'est un plasmide qui utilise pas beaucoup de. Oui. Dev, donc c'est pour ça aussi que c'est un qui est c'est qu'on vrai, va utiliser assez souvent. La flèche est perdue, la flèche nous dit où tu vas, mec. Il fait quoi? Aïe! Aïe! Oui. Hello? Oui, lui. Bon, je vais péter pour être tranquille. Oui, parce que du coup, il y a aussi ce système-là, c'est-à-dire en fonction du plasmide, ça n'utilise pas la même quantité d'aide. Il y a des petites munitions. Des munitions. Il y a quelques petites choses à récupérer, ça fait plaisir. Ah. Bon, bah, bonjour. Un cadavre qui est apparu tout seul. Bonjour. Ah. Oh! Super pirate. Non, je le prends tout de suite. C'est le modèle le plus populaire de la gamme Acme Smart. Le super pirate vous permet de gagner du temps. Quand vous avez besoin de pirater un système électronique, ne perdez plus une seconde avec le super pirate. Donc bah, on va le mettre en plus d'expert en sécurité. Parfait. Salut. Genre quoi? Tu crois qu'on t'avait pas vu ou quoi? Je n'avais pas oublié lui. Ah, Souchon de retour. Souchon de retour. Il m'arrive d'éprouver de la compassion pour cette pauvre petite chose. Quel manque d'inspiration! Elle se contente de rester là, bien sagement, avec ses réservoirs d'attente, à régler ceci, améliorer cela. Pour ma part, je dois créer. En matière de manipulation génétique, voyez-vous, l'Adam est une toile vierge, et les plasmides, des tubes de peinture. D'accord, c'est le rival direct de Tannenbaum. La copine de Tannenbaum. Elle a à peine eu le temps de comprendre ce qui lui est arrivé. Un homme qui passe par une bouche d'aération. Bonjour. Oui, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que... Ah non. mais qu'est-ce que... Petit outil qu'on volait un peu partout à cause de... Ouais, à cause de l'explosion. Oh, petit outil d'auto-piratage. Magnifique. Ça a cramé. Waouh, ça a tout brûlé. Limite atteinte. Et donc c'est la porte qu'on pouvait pas ouvrir tout à l'heure, qui était bloquée. Nice. Donc normalement faut retourner par là, mais on va finir de fouiller cette zone. Merde. Putain. Mais c'est pas toi qu'on veut, dégage. Ouais, ça marche. C'est bon. Toc. Parce que c'est la clé qu'il me faut pour ouvrir cette porte. Un petit piratage. Et donc normalement là le liquide va être beaucoup plus lent grâce à ce qu'on a obtenu tout à l'heure. Ce qui
va faire que ce sera effectivement un peu plus simple et pour après, nous. Après, là, il est devenu beaucoup. Là, le puzzle est plus grand, hein, déjà. Donc là, normalement, déjà, on devrait s'en tirer un peu plus facilement. Comme nice. Ça, une petite caméra, elle sera avec nous si besoin. Tu l'avais pris sur Orcus? Qui? Ah, quoi? Ouais, le fait. Ouf. Elle a fait un salto. On n'a pas besoin de munitions. Ah, par contre, c'est des munitions spéciales. Ils sont... Munitions. Qu'est-ce que j'ai. Là, la petite. La caisse enregistreuse. Ça, c'est du décor. Ok. Les pansements pour se régénérer. Oh, seringue. Nice. On a un coffre. Oh, oula. On n'a pas besoin de vous tout le temps, là. Allez, hop, ça dégage. Comme ça, non, il n'avait rien. Petit piratage, le retour. Ah, c'est petit. Et là, vous voyez, c'est un peu plus long. Ce qui permet, quand même, de nous... Je sais que t'aimes bien. Hop là. Des munitions de mitraillettes. Je vais faire rentrer ma loupe, s'il est en train de péter un... Une durée de soins. Des petites trousses de soins. C'est moi. Elle s'en va. Non, elle part. Allez, au revoir. Ok. Ouais. Donc on peut repartir maintenant. Petit Turing, monsieur Malabar. Un petit pansement. Oh, ah oui, bien sûr, il y a des ennemis qui vont... On est à fond niveau, niveau vie. Donc voilà, donc là, on va pouvoir maintenant qu'on a le... Ah bah tiens, voilà, comme ça on voit directement ce qu'on peut faire avec la télékinésie. Voilà. Vous n'avez pas inventé l'eau tiède, hein. C'est... C'est de balancer, en fait, les... Alors, les caisses comme ça de grenades peuvent avoir des objets de temps en temps. Mm-hmm. Oh, on a fait disparaître un mec. Ah non, il est là. Il a volé très très loin. Oh, en plus, il y avait du pognon. Ah bah en plus. Du pognon. Ça doit être fermé parce qu'il n'y a plus rien ici. Je crois qu'on avait déjà tout exploré. Ah, je crois qu'il y avait un truc qu'on pouvait obtenir par là avec la télékinésie. Mes souvenirs sont bons. Exact. Ouais, il y a une trousse de soins, mais... On est au max. Je suis à fond. Ok. Donc là, en fait, on va pouvoir retourner à... Ici, là, esthétique, idée rose. Beauté, mon beau souci, Dr. Steinman. Merveilleux. Ah. La baleine. Chaque fois, on la cherche, cette baleine. On entend une baleine, je veux dire, on peut la voir. Ah oui, elle est là! Ouais, on l'a vue! La baleine. Donc voilà, on était revenu ici, vous vous souvenez, ça c'était bloqué. Donc il y a lui là qui apparaît pour nous balancer des grenades et en fait. Voilà! Et puis au passage, meurt. Merci. Ah, trousse de soin. Il va normalement, il va venir vers nous. Non. Peut-être qu'il nous attendra plus loin, c'est bon. Un petit sac à main. Ah oui. Bonjour. Le revoilà. J'ai déjeuné avec. Oh. Steinman m'a téléphoné. Je suis venu vous affranchir de la servitude de la médiocrité. Je suis venu vous montrer une nouvelle forme de beauté. De quelle beauté s'agit-il, déesse ? Lui ai-je demandé.
la symétrie, mon bon Steinmann. Il est temps de faire quelque chose pour la symétrie. Là, on a un nouveau... D'accord. La décharge statique. Ryan Industries présente le dernier cri de la technologie en génétique dissuasive. La décharge statique vous transforme en Bobine Tesla capable... Capable d'électrocuter les créatures assez stupides pour attaquer. Donc en fait, c'est si on se fait toucher, il y a une décharge électrique autour de nous qui touche les ennemis. Hmm. Donc, ça peut être... Je crois que c'est un truc que j'aime bien garder, en vrai. Il y a des petits trucs cachés, vous voyez. Encore des trousses de soins. Pour l'instant, le jeu est généreux en soins. En... Normalement, le... Je pense qu'il reste un peu comme ça. Hein. Oulé. C'est pas vrai. C'est pas vrai, tu nous as pas vus. Ok, je vais essayer de foncer. Voilà. Celui-là va être un peu plus corsé, il semblerait. Tac. Ok. Il y a les igouigouis pour gagner du temps. On cherche quoi? C'est ça que je cherche. Voilà. Voilà. Comme ça, s'il y a des ennemis qui apparaissent. Et on retourne sur du piratage vite. Parce que là, j'ai pas le choix, je suis obligé de passer là. Eh bien. Oh putain, je vais pas avoir ce qu'il faut. Putain, je l'avais. C'est bon. Ouh. Ouais, le jeu est très généreux hein, pour le moment. Peut-être que ah c'est... Ah oui, j'ai déjà même plus de place pour... Peut-être que c'est quelque chose d'inhérent au remaster aussi. Est-ce qu'ils ont rajouté un petit peu de... Je pense pas, normalement. Donc là, on a... Oh, on est à fond. On a pas mal de... munitions. Et il y a du Schwax, c'est bien. On va utiliser... Il est stylé, le pont. J'aime beaucoup le pont dans cet épisode... De BioShock, je le trouve très très cool. Normalement, il y avait un. Ah, Dr. Steinmann est de retour. Entre les couloirs, luisante comme un scalpel. Elle m'appelle. Steinmann, Steinmann, ce que vous cherchez, je peux vous le donner. Il vous suffit d'ouvrir les yeux. Et lorsque je la vois. Elle me découpe en milliers de splendides morceaux de chair. Ça va bien, hein? Voilà, Steinmann. Ça va bien. Ah, ça, on va le pirater. Nice. Comme ça. Évidemment, hein, ça dépend de ce que vous piratez aussi. Mais quand c'est des choses, on va dire, essentielles ou des trucs vraiment importants, les piratages, ça se voit qu'ils sont plus difficiles. Temps de tout faire là, comme ça. Ouais, pas toutes les pièces. Hop. Magnifique. Hop. Ouais, moi ça se dessine tout hop. Seul, c'est beau. Ouais, quelle fluidité comme ça, du mouvement. S'il y a quelqu'un qui essaye de soigner là-dessus, il s'empoisonnera. Nice. Parfait. Ça, je suis plein. Il y a les caisses comme ça là qu'on peut fouiller. Ah. Et. Adam denies us. Any excuse for not being beautiful. Voilà. Et moi, je dois faire de celle-ci, Aphrodite. Elle ne reste pas dans la... Je veux les rendre plus belles, mais c'est toujours un échec. Celle-ci, trop grave. Celle-là, trop grande. Une autre, en symétrie. Et à présent... Il est laid. Il est hideux. Vite!
Voilà, donc... nous voici contre... On peut dire que c'est notre premier boss. Tu le fais au pont ? Ouais, on va utiliser un petit peu les armes. Merde. Il y a des trucs explosifs un peu partout. Notre premier boss, regardez s'il est pas magnifique. Il est complètement... Je vais changer un peu. Je vous rappelle, c'est parce qu'on est moche. Hein. Ah bah, au secours. On fait moins le malais. Je crois qu'il est mort. Je crois que tu l'as donc anéanti. La clé du sas d'urgence, c'est ce que on était venu chercher. Ça fait longtemps la place. Oh, tiens, on va bien se recharger en tout. T'es pris un dégât. Ah non, c'est parce que t'as peut-être marché mon fou, je sais pas. Oui, je crois que c'est ça. Donc voilà, okay. Donc on va pouvoir aller au trésor de Neptune. Parce qu'on rappelle, hein, c'était là qu'on devait aller. On le rencontre, Atlas ? Normalement, il y a un moment où on le verra, oui. Tout à fait. Je crois qu'il y a quelques petits trucs. Oui, parce qu'il peut aller se régène ici, hein, ah. Le boss. Là, on lui a pas trop laissé le temps. Non. Donc, oh, la dernière bonbonne de gaz. Et voilà. Tu vois ce qui t'a fait, le moche. Et ben voilà. Cet homme avait de toute façon de gros problèmes. Tout neuf. Avec son ego. Il y en a plein des droites, des lignes droites. Let's go. Hop, petit coffre avec un bas du trousse de soin en fait. On est très très bien. Hein. Oui, bah oui, il te donne des trousses de soin après ton combat très difficile. Non, mais ce qui est normal. Bah oui. Parce qu'on est dans un pavillon médical. Mm. C'est ici que le docteur, il s'était un peu... En fait, c'est ça que j'apprécie avec le jeu, c'est que c'est super fluide, en fait. T'as pas de chargement, t'as pas de cinématique pour annoncer un boss ou te mettre dans une situation particulière. Non, tu t'arrives dans le jeu et puis tu te confrontes, quoi. Ça, je m'en souviens. M'attendais pas à ce que tu fasses ça. Parce que ça, tu peux. C'est de l'eau ou c'est de l'essence? Attends, quoi? Quoi? Qui nous agresse? Je suis perdu. Y'a personne qui nous agresse? Non? C'est bon? Ah non, c'est que le petit robot. Tu sais, c'est à cause de la. De la caméra, comme je l'ai piraté, fait, elle est passée dans la caméra. D'accord. Donc, petit drone, viens. Viens faire son boulot. Ah, il est encore là, non ? Ah oui, il est encore là. Ah oui, il est revenu ! Bon, on va peut-être dégommer cette fois. Merde. Raté. Toujours raté. Raté. Un peu encore, toujours raté. Ah bah, comme ça au moins. Ah, je fais le malin ! C'est un peu ça. Oh là. Viens par ici. Ah ! Merci à toi. Ah oui, donc là, on... On a eu un flash. Ouais, des fois, on aura des flashs. On peut pas reprendre le chemin principal. Oh. C'est une petite sœur. C'est l'occasion pour vous d'obtenir un peu d'adam. Elle est où? Donc là, il y a un protecteur qui vient de valser. Hein. Et elle est où, là? Je ne le laisserai pas faire de mal à mes petites protégées. Tout va bien, l'ami. Ce n'est plus une petite fille. Elle est comme avant. Le docteur Tenenbaum s'est occupé d'elle. Peter, ne lui fais pas de mal. N'as-tu donc pas de cœur? Pas de cœur? Voyez-vous ça? Et c'est le monstre qui a créé ces infâmes machines inhumaines qui nous dit ça? C'est vous qui avez pris de jolies fillettes pour les transformer ainsi. Écoutez-moi bien. Vous ne survivrez pas sans le don que ces choses transportent.
Voulez-vous vraiment mettre votre vie, celle de ma femme et de mes enfants dans la balance pour épargner les monstres inventés par Tenenbaum? Il y a un autre moyen. Utilise ceci. Libère-les de leur souffrance. Je trouverai un moyen de se dédommager. Notre première petite... Donc voilà, donc... une des choses qui va, arriver à partir de maintenant, c'est que on va pouvoir, donc... On va croiser des petites sœurs. Croiser les petites sœurs, choisir entre les sauver ou récolter leur Adam. Donc en fait, quand on s'approche, voilà, vous avez soit récolté, soit sauvé, et selon ce que vous ferez, ça va aussi avoir un incident sur la fin du jeu. C'est ça. Parce que le jeu... Et sur votre morale. Sur votre morale et sur le jeu, et aussi sur ce que vous obtenez. Ouais. Alors, officiellement, on va vous dire qu'il faut les récolter parce que ça rapporte plus. Évidemment. Mais en fait, comme elle nous a... ça va, il va se calmer le... le tuto là. parce que vous voyez là c'était donc Tenenbaum hein, qui était oui, là, Tenenbaum, ouais. qui nous a donné dans sa jolie tenue rose le moyen donc de sauver. Donc moi c'est ce que je vais faire hein, de toute façon. On vous annonce tout de suite, nous sauverons les petites. Oh merci monsieur, merci. Bon, elle garde quand même sa voix de... Ok. Je veux aller au dodo. Tenenbaum vous fait marcher. Ces créatures ressemblent à des fillettes inoffensives, mais ne vous fiez pas aux apparences. Vous devez récupérer le plus d'un... Atlas. C'est une question. Tais-toi. On fait ce qu'on veut d'abord. Si vous croisez à nouveau le chemin d'un jardin des glaneuses, tâchez d'acquérir un ou deux nouveaux plasmides. Si le prix reste raisonnable, bien sûr. C'est bien, il est tout de suite passé à autre chose. Donc voilà, et donc à partir de maintenant... Nous allons aussi donc trouver des jardins des glaneuses, mais qui fonctionnent. Donc pas comme les premiers là, qu'on a rencontrés depuis le début, mais qui étaient complètement explosés. Ouais, à mon avis, t'as dû utiliser pas mal de munitions, donc let's go. je fouille juste voir... Ouais. S'il y a des petites choses à récupérer par-ci, par-là... Elle va mieux, la petite sœur. Bon, ce qui est triste, c'est qu'on peut pas du tout récupérer de trucs sur le videur. Le videur. Oui, parce que c'est le nom du protecteur, parce qu'il y a plusieurs styles de protecteurs. Oui. Non seulement ces fillettes sont de véritables suicides d'Adam, mais en plus, elles sont pratiquement invincibles. Elles régénèrent avec des cellules souches tirées des tissus morts. Cependant, leur relation avec les limaces implantées est symbiotique. Car si on prélève la limace, voyez-vous, l'hôte meurt. Tenenbaum dit que ce n'est pas tuer, mais plutôt soulager un patient en phase terminale. Donc voilà, donc en fait, d'accord. Si on récolte, en fait, on récolte la limace qui est à l'intérieur en fait des petites sœurs. Ouais. Et donc les jardins de glaneuses, donc en fait on n'utilise pas d'argent, on utilise de l'Adam en fait, et ça permet de d'acheter en fait des plasmides ou des améliorations. Donc ici on a rage, donc qui permet d'enrager la cible qui dirige son attaque vers quelqu'un d'autre, l'armure corporelle qui réduit tous les dégâts physiques, la liaison d'Ève qui permet en fait à utiliser des trousses de soins, ça en fait restaure notre Ève, et après amélioration de santé et d'Ève, donc ça en fait c'est que ça augmente notre barre de santé et d'Ève un petit peu plus. Et on a pile la quantité qu'il faut. Voilà, donc. Alors qu'est-ce qu'on choisit? Moi je vais prendre armure corporelle. Ouais, c'est ce que je pensais aussi. Et je vais le mettre en fait à la place de décharge statique. Ouais. Et pour le moment je ne vais prendre que ça parce que comme je vais garder un petit peu d'Adam pour plus tard. Et de toute façon de l'Adam, vous allez voir parce que, alors, je vous fais voir, donc voilà.
Donc on a, ça je crois que c'est dans la version remaster, il y a les commentaires des réalisateurs qui sont cachés, en fait, il y a un commentaire dans chaque zone, je crois, à récupérer. Et quand vous êtes sur le menu, vous avez les petites sœurs dans les niveaux, et donc il y a une petite sœur encore à sauver, récolter. Parce que à partir de maintenant... Vous êtes pas prêts. Il est temps pour vous d'apprendre. Voilà. Bon, il y a un autre connard là qui me tire dessus. Oh mais c'est pas possible ça. Il y a une autre petite sœur plus loin. Et voilà. Nous voici. Bon. Nous allons nous faire notre premier protecteur. Donc voilà, le premier protecteur que nous allons rencontrer. Et donc à partir de maintenant, nous allons pouvoir les affronter. C'est des mini-boss. Voilà. Et donc, pour le moment, il faut... Je vous cache pas, hein, au début... C'est dur. Comme vous avez... Oh là. Parce que voilà, vous voyez, il peut faire des trucs comme ça. Il charge. Bordel. Voilà. On a perdu. On a perdu tellement de vie. Non. T'inquiète pas, petite fille. Donc voilà, donc là on a récupéré un petit peu de... d'Adam. On a récupéré une nouvelle d'Adam. Et on a perdu... 4... Oui, 4 barres de vie. 3 ou 4 barres de vie. Et donc on va prendre l'amélioration de santé pour le moment. Je pourrais prendre la liaison d'Ève, mais je pense qu'on la prendra plus tard. Mmh. Donc là j'ai 60. Donc j'aurais même pu prendre rage, mais c'est pas un... C'est pas un plasmide que tu... C'est pas un plasmide que j'aime vraiment en particulier. Il y a des plasmides que j'aime beaucoup plus qu'on aura un peu plus tard. Mmh. Vous avez vu les petites sœurs, elles sont différentes aussi. On va pas là, c'était une petite sœur blonde. Hop. Leur apparence oui, change. Oui, elles ont des apparences différentes aussi, ouais. D'ailleurs, elles deviennent quoi après? Alors normalement, on les voit pas, mais elles retournent en fait. Je sais pas si on a un dans le coin. Au elles jardin. Retournent là-dedans. Ah oui, en c'est fait, vrai. Normalement, en fait, elles sortent de. Normalement, c'est un trou. Là, je sais pas trop, on dirait un mur, carrément. Ouais. Mais oui, c'est vrai, oui. Mais elles vont là-dedans, et en fait, il y a un lieu où il y a toutes les petites sœurs. Et une crèche. C'est ça. Dommage. Loupé. Il est parti ? Oui, il est parti. Non, t'as vu. Ah ben, revenez. Après, ces ennemis-là, c'est ce qu'ils font tout le temps. Oui, bah. Ben. Oh, bon. Les coups. Mais attention, parce qu'à la fin, ils font toujours... Ouais, bah oui. Un petit coup de... C'est les fameux ennemis kamikazes. De petits coups kamikazes. Donc, avec la clé... Nous y voilà. Le sas d'Hurlant. Ah oui, nous aussi, Atlas.